Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce cinquième épisode, je crois, de l'ombre de la guerre. Et donc, on a enfin réussi à pénétrer le camp. Et il y a un troll. Et il y a un gollum. Eh ben dis donc. Les Ologai sont des combattants coriaces aux attaques puissantes. Ils vous empêcheront de leur bondir par-dessus, mais vous pouvez éviter leurs attaques en appuyant sur A pour esquiver ou leur glisser entre les jambes. Ils peuvent être étourdis avec un tir-charge à la tête ou grâce à une contre-attaque effectuée au bon moment. Enchaînez une série de frappes en mêlée ou maintenez RB pour monter sur, sur le dos de l'Olog. Sur son dos, appuyez sur X plusieurs reprises pour le poignarder dans le dos et appuyez sur L pour le faire foncer dans ses alliés. D'accord, ok, cool. Eh bien. Désolé, tu vas marcher beaucoup moins bien comme ça. Et vous voyez, à côté de ça, ce combat là était excessivement simple. C'est ça qui me choque. Aïe. C'est ça qui me choque. On a sauvé le maître de lumière. Gollum, pourquoi m'avoir sauvé, dis-moi? C'est pas à toi que je parle, stupide rôdeur. Il a pas la voix habituelle. Une œuvre pour cette maudite araignée. Non, non, la terrible maîtresse des ténèbres veille sur Gollum. Gollum veille sur le maître de lumière. Le maître de lumière, tout le seigneur des ténèbres. Et si l'araignée qui tire les ficelles, Sauron est son ennemi comme le nôtre. Pour l'instant. Et on ne choisit pas toujours ses alliés. Bah je le trouve moins bien. J'ai un doute sur la voix et je le trouve... Maître de lumière, Gollum va te montrer un chemin plus rapide. Ce n'était pas un simple troll. Ce sont des Ologai, des trolls de guerre. Ils sont plus futés, plus rapides et insensibles à la lumière. Les troupes de Sauron sont plus puissantes que jamais. On les hait autant qu'on hait les méchants orques. On garde la distance pour... Je prends les infos quand même, hein. Je me fais pas avoir bêtement. Le summer... Oh, l'armure de monsieur! Tu es d'une classe. Tu es tellement pimp. T'as quoi? Ah oui, t'es... T'aimes pas tout, quoi. Comme quand tu as tenté de me briser le crâne avec une pierre lors de notre dernière rencontre. Je m'en souviens. Non, c'est faux. On n'aurait jamais blessé le maître de lumière. On va se rachouter, d'accord? Il y a un problème sur la voix, on est d'accord. Ok. Effectivement. Tu es proche, maître de lumière. Très proche. Ça me rappelle vaguement quelque chose, mon roi. Alors, bonjour Arachné. Comment on va depuis le temps? Oula, heureusement que la robe tombe au bon endroit. Je sais ce qui vous amène. Rends-nous ce que tu as volé. Silence, créateur. Tu n'as rien à dire. Voler? Il m'a supplié de le prendre. Et toi, que veux-tu, Talion? Je suis là pour Minas Sithil. Tu désires la sauver. Mais elle a peut-être déjà sombré. Tout n'est pas encore perdu. Tes visions disent vrai. Offre-moi une autre. Dans quel but? Pour savoir? Pour dominer? Oh, inutile de me répondre. Vois ta vérité. Yeah.
Ok. Tu veux monter en grade, il suffit de tuer. Tu veux te faire remarquer, tue un bourrouze. Plus ta cible sera grosse, plus tu monteras haut. Ok. Je sens que ça va encore puer du cul, cette histoire. Beaucoup mourront avant la défaite de Sauron. Il y a toujours eu un problème avec les femmes, Talion. Conséquence, si nous tuons l'assassin, peut-être que ça n'arrivera pas. Elle peut survivre. Elle vivra ou mourra avec honneur sans que la guerre en soit changée. C'est Castamir qu'il nous faut protéger. Si les victimes de cet assassin, nous perdrons le Palantir. On le trouvera par les cieux pour notre maître. On va assurer Tungol. Oui, on le trouvera, le méchant assassin. Oui. C'est une histoire qui pue du cul quand même, hein. Je veux pas dire, hein, mais là pour le coup. J'ai pas envie de vous spoiler les gens, je suis désolé. Je suis à deux doigts de dire des choses et je devrais pas. On a reconnu sa lame courbée. Une lame de Morgul. Oui, il tue, poignarde tous les gardes du corps du chef de guerre. Si nous trouvons les gardes du corps Uruk qu'il vise, nous trouverons l'assassin. Le premier poche, par ici. Il était grand celui du milieu là-bas là. Attention. Qu'est-ce que fabriquent ces orques ? Tu as peur, comme le capitaine, avoue-le. J'ai pas peur. Alors vas-y, mets-toi sous le nid. D'accord, je vais te montrer que j'ai du cran. Là, tu vois, j'ai pas peur. Le premier garde du corps doit... Ah, la portée est beaucoup plus grande. Tu m'as dit que tu avais reconnu la lame courbe de l'assassin. Tu vois donc les visions d'Arachné ? Oui, maître de lumière. C'est bizarre qu'il m'appelle maître de lumière. L'un des gardes du corps était proche. On en est sûr. Ils sont attaqués par des poissons ? Par des araignées ? Ah là, j'avais pas vu, mince. Fouillez le corps. Allons-y. Seule une lame de Morgul a pu causer ces blessures. Nous sommes sur la bonne voie. Il est mort depuis un certain temps. Nous devons être plus rapides si nous voulons rattraper l'assassin. Oui, on sait où trouver un autre garde du corps. À mesure qu'il grimpe les échelons, l'assassin cherchera des cibles plus importantes, comme Castamir. Oui. Ça semble logique. Castamir est le seul à savoir où se trouve le Palantir. Il faut à tout prix qu'il reste en vie. Tout prix, tout est relatif, hein. Abouillez-les ! Elle passe par en dessous ! On sait qu'il y a un méchant orc ici. Mais on oublie où ? On est proche. Tu peux le trouver ! D'accord, je me suis fait attaquer par une des araignées. Viens voir papa. Allez. Viens par là, bonjour. Non, t'as des gros problèmes de maux de tête, toi. Oh.
plaie causée par une lame de Morgul, comme le. Faut pas que je me fasse agresser pile à ce moment-là. Qui est plus récente que l'autre. Nous nous rapprochons. Gollum devrait savoir où est la prochaine cible. J'en connais un qui va souffrir. Allez, viens. Quelqu'un va payer pour ça. Tant mieux. J'ai bien entendu quelque chose. J'ai eu un doute. J'ai dû boire un mauvais grog. Quelqu'un tue pour gravir les échelons. Hop, c'est bon, on les a eu. Ok, ils viendront pas m'emmerder un peu plus longtemps. Un petit peu d'argent. Ah non, c'est un artefact, pardon. À chaque fois, je confonds. Artefact gondorien. Je pense que ce plat est de facture orientale. De tous ceux qui l'ont vu, personne n'a pu reconnaître la céramique ou le style de décoration utilisé. Intéressant. Intéressant. Les orientaux. Plus étrange encore que les Aradrim du Sud. Mais tout aussi vulnérable aux suppliques de Sauron. J'ai trouvé un autre Uruk. Son cadavre est encore chaud. Fou. Tout frais. De plus en plus près. Ah, on va t'emmener. Ils sont juste à côté quand même. Hein. J'aimerais bien récupérer des flèches au passage. Ne vois pas Gollum. On se faufile et on entend plein de choses. Oui, ouais, peut-être, mais t'as... j'ai un doute sur la voix, c'est chiant. Mais... ah, là, je devrais pas retrouver des flèches, je crois. Sont-elles en haut ou en dessous? Je ne sais pas. Attends, des orques arrivent. Cache-toi. J'ai trouvé une jolie chaîne en or. Longue comme le bras d'un holoc. Je sais pas à qui elle appartenait ni comment elle a atterri là. Peut-être que son propriétaire avait l'intention de revenir la chercher. Elles sont dans mes chaînes. Peut-être qu'il est mort. Qui sait? En tout cas, maintenant elle est à moi. Qui trouve? Il faut que je les batte. Pas vrai. Je t'en porterai la tête. D'accord, on peut pas leur sauter par-dessus, effectivement. Ok. C'est pas le bon bouton. Allez, je vais essayer de l'envoyer sur ses ennemis, donc sur ses alliés, pardon. Hop, ça y est. Bonne chose de fait. Allez, au revoir. C'est pas toi que je visais, mais... écoute, je savais pas que t'étais vivant. Hop, les ratés. Viens par là. Hop, les. Boum. Crac. Problème de gorge. C'est bon. Toujours bruyant et méchant. Mais ils n'aiment pas les mouches. J'ai un doute sur la voix. Sire, surtout l'assassin, il court dès qu'il envoie. Ça c'est du renseignement. Faut l'admettre. Je préfère. Mais trop de sales orques dans le coin. Reste ici. Je peux le trouver seul. On aura bientôt une action.
Ok, lui je l'ai eu. Lui aussi. Aussi. Ça en fait 3, pour l'instant on se sent plutôt bien. Renseignement. Ah, je crois que j'ai été repéré juste avant, ce qui peut poser un problème. Il a dû revenir sur ses pas. Merde, c'est con ça. Je les ai pas du tout envoyés sur Gollum. Une autre victime, mais celle-ci est en vie. Voyons un peu ce qu'il sait. Bonjour. C'était un peu stupide l'animation, mais bon. C'est... ouais, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Ok, d'accord. Peur des mouches de Morcaï. Ça me semble logique, oui. Enfin, ça va être facile à trouver du coup, mais bon. Je veux dire, tout ça c'est assez simple. C'est une initiation pour quelque chose qu'on avait déjà vu. L'assassin est proche. Enfin bon, c'est pas grave. Alors. Bonjour. T'es moitié débile, toi. Hop. Hop. Ça c'est fait. C'est dommage, il était stylé en dehors de ça. Prépare-toi à une grande découverte. Hop, et ta tête là, c'est bon? Je découpe là ou pas? Bon, c'est pas comme ça que je voulais le tuer. Tué par des mouches. Oh la tristesse. Oh la je suis désolé, la tristesse. Vous voulez que j'ai... Habituellement, moi je me rappelle dans le premier, c'est souvent quand je faisais une exécution sur un capitaine. Mina Sithil retournera à la poussière. Seul importe la pierre de vision. Quand on le faisait, donc il finissait par une exécution qui était une décapitation la plupart du temps. J'irai à 80% du temps. Là, on n'a pas eu beaucoup de décapitations. La maîtresse des ténèbres sera contente. C'est ça le problème. Tu te demandes pas pourquoi c'est elle qui sera contente? Peut-être qu'elle t'a montré ce qu'elle voulait te montrer? Enfin bon, c'est mon avis, hein. Il m'arrive encore de me tromper. Menace de mort. Au lieu d'obtenir des renseignements sur un capitaine, vous pouvez lui en donner un verre de lui remettre une menace de mort. Une mission d'ennemis jurés unique est alors créée dans la région. Quand un capitaine reçoit une menace de mort, son niveau augmente, le combat sera non plus difficile, mais vous gagnerez de l'équipement de qualité supérieure si vous réussissez. C'est intéressant. Alors j'avais vu quelque chose qui se débloquait au niveau 7, normalement, ici. Ça peut être intéressant aussi. Ça c'est quoi? Oiseau de proie, oui. Ça c'est stylé. Chevaucheur de grog. Ça peut être intéressant. Appel de monture, ça. Ouais, c'est bon. Hop, sans conteste, ce sera ça. Prospecteur. Appel des partisans, d'accord, ok. C'est ça. Et prospecteur, ça va être celle-là? Non, mission de capitaine. Étrange. Ça doit être celle-là, prospecteur.
Menace de mort. Je sais qu'il y avait un truc prospecteur tout à l'heure, mais je croyais que c'était ça. Mais apparemment non. Horde d'araignée, garde de fer. Oh la vache. C'est stylé quand même, hein, faut reconnaître. Après, est-ce qu'ils sont véritablement efficaces? Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai un doute. Mais bon, c'est... Les Castamir devraient être en sécurité. Oh, devrait y avoir des... Le siège de Minas Sithil se poursuit. Le Palantir peut encore tomber aux mains des ennemis. Nous avons passé... Dague de Rohirrim. Rohirrim. Hop. Alors, voyons voir. Fait plus de dégâts. Bon, bah, je prends. Recruter un orc de niveau 15 ou supérieur. Rabaisser un capitaine. On va prendre celle-là. Hein. Elle semble plus puissante. Et ici, on a quelque chose en plus. Niveau 6, 319. Ok. Bon, on reprend l'armure qu'on avait au départ. En termes de cap, on n'a pas de nouveauté. Et on a la meilleure. Ok, cool. L'assassin avait encore une cible. Nous devrions finir ce que nous avons. Ah bon ? Et tuer le dernier garde du corps du chef de guerre. Ça peut être une bonne idée. Comment on voit déjà les quêtes? Bon, c'est pas grave. Je suis juste à côté d'une... d'un Aedir. Bonjour. Bonjour. Hop là. Hop là, attendez, on va se retourner. Ce serait bête qu'il me voit pour si peu. C'est bon. On y est. Non, il a plus. Il manque un bout à celui-là. Clairement, hein, il manque un gros bout. Nathan Olay, quelque chose. Je sais pas. J'ai déjà plus. Blablabla. Ok, il y a plein de choses qu'il faut que je repère. Ok. Pratiquement toutes dans la même direction. J'imagine que ça va être par là. Ok. Ok. Bon, apparemment, ça se passe. Plutôt bien en termes de découverte. Hein. On a absolument plein de choses à découvrir. Alors le problème c'est que moi j'ai tendance à vouloir tout faire, chers amis. Du coup je me force un peu à faire l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon je compte bien revenir plus tard sur tout ça. Que ce soit en live ou n'importe quoi. Vendetta disponible, j'ai eu le temps de voir ça. Exécution, Vendetta. Non. Dux, le tueur de Targ, vous êtes fait réussir votre vendetta à son banquet pour recevoir un meilleur équipement. Vendu. Attends, y'a personne, c'est juste un... D'accord. Bon bah, go si c'est qu'un event. Hop les, se venger. Les orques font un banquet. La puanteur du grog emplit l'air. Hop, allons-y. On est à 25 minutes. On a largement le temps. Bonjour. Bonne nuit. Thank you.
Ok, salut. Folie du pouvoir. Intéressant tout ça. Alors, hop, et adieu. Salut les filles! Hop, c'était pas toi ma cible, dommage. Hop, adieu! J'attends qu'ils viennent pour... Ça fait mal ou pas? On a déjà réglé cette histoire. Tribu machine. Je suis le tueur de Tark. Donc, je tue les Tark. Ok. Et tuer un Tark. Ah bon? Fais, attends, tu veux me la refaire s'il te plaît? J'ai du temps à perdre. Voilà, petite vengeance perso. Boum. Cool, du légendaire qui tombe ou du rare, je sais pas, c'est jaune, ça me semble. Ça me semble être donc rare. Ok. Enflammer un ennemi. D'accord. Ça me plaît comme principe ça. Bonjour. Le corps signale un caragor en vadrouille, ou encore des barils de grog en feu. On a de la chance aujourd'hui, c'est juste un rôdeur qui a envie de mourir. Alors, pour toi, je préconise un dentier, hein, malheureusement. Raté. Raté. T'as fait mal? Ouais. T'as peur de l'exécution? Oh! T'as déjà un scolaire fatigué! Si tu te battais plutôt avec mes gars! Occupez-le, les gars! Va filer ailleurs! Une autre fois, Robert! Oh putain! Plante-le encore! Le voilà! Il est pas chiant comme bonhomme, hein. Oh. Oh. Le mec. Je sais rien. Non, non, tu files pas. Tu files pas. Tu files pas. Gros. Ça. Non, c'est pas celui-là que je voulais avoir. C'est pas grave. Ça y est, je l'ai eu. Par contre, ça va me péter à la gueule cette histoire. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Laissez-moi me barrer de là.
Hop là. Salut. Vous êtes sûr de vouloir continuer les mecs? Aïe, pareil que j'ai pas vu venir celle-là. Faudrait une flèche quoi. J'ai pas une seule. Bon, j'ai pas un seul endroit où je peux avoir des flèches, donc je me barre. Si c'est bon, j'en ai là. À droite. Allez. Oh putain, faut que je grimpe. Désolé. Bonjour. C'est pas ce que je voulais faire. Tu veux bien monter? Merci. Je donne un petit peu de santé, si tu vois ce que je veux dire. Santé. Ok. Du coup, j'ai réussi l'objectif de mon arme. Ce qui fait que maintenant, j'ai 28% de chance que mon coup critique fasse quelque chose. Hop, bonjour, il semblerait que t'aies un cadeau pour moi. Une gemme, cool. D'ailleurs, au passage, j'en ai combien des gemmes de guerrier? Que deux, il m'en faudrait une troisième pour pouvoir améliorer à ce niveau-là. Ça pourrait être pratique. Ensuite, j'ai 1800 points. Peut-être ouvrir un point d'armure. Pour que je puisse y caler quelque chose du style... Ouais, je peux pas en rajouter une. Je croyais que je pouvais en mettre 3 au total. Ah non, d'accord, ok. C'est quand j'aurai toutes les trucs que je pourrais. Ah, bon, si j'avais su. Ok, pourquoi pas. Bon, d'accord. Allez, on grimpe. Hop, bonjour. Ici, Zuka. Tu es un archer, Zuka, d'accord. Tu es extrêmement inflammable. Tu as peur des bêtes. Tu as, tu prends des dégâts d'attaque à distance. C'est cool pour un archer. Il n'y en a pas beaucoup des comme toi, c'est rassurant. Après, il va vraiment falloir que j'ai plus de flèches. What? Putain d'araignée, je me fais attaquer par des araignées. Hop, allez, dis au revoir à la vie, merci. Ok, c'est bon. J'ai réussi à échapper aux araignées. Mais eux sont en alerte toujours. Okay. En tout cas, on s'en sort plutôt bien. Ce qui change. Carte. Il va me rester quelque chose à choper dans le coin, normalement. Ouais, voilà. C'est quoi ça? Chauffeur de Drake. Chauffeur de Drake, pardon. Chauffeur. Chauffeur, si t'es champion. On n'est pas encore à là. Ça, c'est quoi? Un truc d'arachne, d'accord, ok. Ça, c'est quoi? Avant-poste. Tirer le chef de l'avant-poste en tuant ses archers. Ah! Les avant-postes, ça peut être intéressant, ça. C'est là que je vais. Dommage que j'ai pas un ou deux Karagor sous les doigts. Le monstre des hommes n'a jamais affronté aussi fort que nous. Toi et moi, tu veux dire. Nous les Uruk, Club. Mais toi et moi, ça marche. Ok, je vais remonter là-dessus. Ça me permet de partir plus loin, peut-être en sautant. Ah bon, bon bah ok, c'est pas pour ça que je voulais monter de temps ou pour autant. Mais pourquoi pas. Donc du coup... Je suis ici, il faut que je traverse tout ça. Et apparemment, ça va être chiant à passer. Ok.
récupère des flèches au passage, Marcus, ça va pas te faire de mal. Ils vont pas être attirés par là-bas ? Oh, c'est nul. Ça commence à faire du monde là par contre. Tu crois que tout ce vacarme et ses secousses sont dues à la création d'un nouvel anneau ? Bon allez, tant pis, on y va. Hop ! Je garde ma rage elfique pour le mec. Hop les. Ah merde! Chaque fois je le loupe. Allez, meurs! Et on est bon. Cool! Allez, on progresse maintenant. Bah, mange-le si tu veux, pas de soucis. Ouais! Laissons les gules faire leur truc. Ok, ça je l'ai pas vu venir. Non. Vas-y, transforme-toi en truc, voilà, merci. Ok. Toi t'as une rune apparemment sur toi. Donc ça m'intéresse. T'as senti quelque chose, t'es sûr? Bah viens, écoute, je vais... Je compterai deux fois la même chose. Même action! Ok. Bon, ça se passe plutôt bien, on est déjà à près de 40 minutes, chers amis, je suis désolé. Hop. Crac, c'est bon. Bon, bah, j'ai personne. Mais c'est vrai que la zone est pas. C'est pour ça que j'en ai deux. Oh putain. Tu es tellement intelligent, ça me surprend, l'ami. Hop, en silence. Hop les, ah ok. Et forcément. Crac, on y va. C'est parti. Ça va durer un peu plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. Bonjour. Ah non, ce sont des archers.
Combien que... S'il y a plus de 4 archers, je suis baisé. Hein. Parce que, j'ai que je peux avoir que 4 flèches sur moi. Éliminer... Élimination furtive depuis un rebord. Ok. Attends, il me regarde ou... C'est le bruit que je ne fais pas. Je confirme. Milton doit être à court de vivre pour qu'il rôde comme ça en essayant de voler nos provisions. Bah, ça m'étonnerait qu'ils touchent au grog. Ils ont l'estomac fragile. Hein ? Qu'est-ce que c'était ? Et de 1. Et de 2. On n'a rien vu. Ninja total. Tu sens quelque chose? Je pue? Oui, c'est moi qui ai pété. Excuse-moi. Bonjour, tu es le troisième. Hop. Quelque chose vient de bouger par là. Mais non. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé du tout. Quoi qui cause ce mec là-bas là ? C'est un problème de couleur comme le gris ou le gris foncé ? What? Tu viens de repop? Vous venez de repop les mecs là ou c'est moi? Parce que moi ça me dérange pas hein mais... Ce qui m'emmerde plus c'est que vous repopiez pile au moment où je suis... Je vais pas dire l'angle mort mais... Le rat des cavernes est arrivé. Oh, il est joli en plus, dis donc. Quelqu'un qui redoute face à face commencerait par les archers. Je vais en profiter. Hop, remontons. Faudrait plus de flèches. Faudrait plus de flèches. Arrête de te cacher, quoi que tu sois. Non, non, tu n'as rien vu, crois-moi, tu n'as rien vu. Puis je n'ai pas envie d'avoir vu quoi que ce soit. Ouhou. Non.
attention à vous. Hop les, bonjour. Tu ne me plongeras pas dessus, petit moineau. Hop les. Ah, voilà une belle décapitation. Voilà une belle décapitation. Au revoir. J'étais un spectre. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant ce mode de combat. Même s'il est un peu... Vous venez venir me voir? Désolé. Tu as eu le courage de venir, tu mériteras peut-être une mort par décapitation? Non, même pas, apparemment. Le personnage a dit non. Mais bon, c'est ainsi. Ok, bon bah après 45 minutes d'épisode, chers amis, on va se laisser là. Et moi, je vous retrouve donc la prochaine fois. On va peut-être débloquer un truc ici. Les contre au moment mettre des ennemis à terre. Je sais pas si ça m'apporte quelque chose. Il y en a l'habitude en chaque maison. D'accord. Ça peut être intéressant, mais c'est qu'au niveau 11, ça. Ok, j'achète donc le deuxième niveau. Attendez, il y a un système d'activation et de désactivation. Oh la vache, je savais pas. Bon bah c'est pas grave. Hop, je prends le deuxième. Oh, je peux en activer qu'une, mais si j'avais su... bon bah je saurai pour la prochaine fois. Ok. Donc on a récupéré aussi des objets d'inventaire. Donc on va envie d'y aller. J'ai envie d'y aller quand même pour voir. Un petit peu ce qu'on a tombé. J'imagine que des trucs très classiques. Nous avons donc ici une cape un peu plus efficace. Un tantinet plus efficace. Mettons une gemme ici. Est-ce que j'en mets une ou pas? Ou est-ce que j'attends d'en avoir plus? Je vais attendre d'en avoir plus, on verra bien. On verra. Est-ce que ça va... Est-ce que ça va... Je suis le boucher des hommes, le tueur de pourceaux, et je suis là pour toi! Cool! Bien joué. T'as perdu. Vache. Ce qui m'a mis. Tu peux pas déjà flancher. T'as encore tous tes membres. Ce qui m'a mis. Mais je peux rien faire. Je peux strictement rien faire. Vous avez vu? Vache, ce qui m'a mis. Eh bien. Je crois que j'ai encore. Ah non. N'exagérons rien. Ça y est, je l'ai eu. Non ? Je viendrai hanter tes nuits. Ah bon ? Tiens, pouf. Hop là, tu reviendras pas à mon avis. Si tu reviens, c'est avec une bonne couture. Hein. Bon, bah voilà de quoi terminer l'épisode, les amis. Parce que là, ça n'en peut plus. Là. 49 minutes, c'est incroyable. Hop. Épée gondorienne. D'accord, ok, cool. Donc là, j'ai vraiment besoin de me sauver parce que là, ça va plus du tout. Hop, hop, vite. Est-ce que je peux m'enfuir ou pas? Avance, déplacement rapide, voilà, cool. Voilà, salut les gens. Normalement, je ne voudrais pas attaquer sur la tour. Normalement.